Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club. Alexander aux commandes, comme d'habitude, pour vous tirer cette fois-ci, pour vous animer, vous faire rejouer en vidéo, comme si vous y étiez, la cinquième partie de l'épreuve élite des championnats du monde 2022 de Scrabble francophone. Donc c'est du Scrabble Duplicate, forcément. Et c'est une épreuve qui se déroule en 7 parties. Il y a à peu près 240 joueurs issus de toute la francophonie, qualifiés dans leurs pays respectifs, qui sont là et qui bataillent pour perdre le moins de points possible. Et donc, vous avez les résultats hein, dans les descriptions des vidéos pour chaque partie, les résultats de la partie et les résultats cumulés. À l'issue de cette partie, je vous proposerai un décodage express. On passera en revue tous les coups pour voir les isotopes, les sous-topes principaux. Et puis, oralement, je vous indiquerai les potentialités des tirages. Et je crois que je vous ai tout dit. Allez, on va y aller. Donc, cinquième partie de l'élite 2022. Des championnats du monde 2022. Épreuve élite. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Je vous souhaite une très très bonne partie. Voici Kenya K. Italie I. Égypte E. Suisse S. Algérie A. Luxembourg L. Deux fois. Vous jouez avec Kenya, Italie, Égypte, Suisse, Algérie et Luxembourg deux fois. 2 minutes. Oui, je précise, hein, c'est une épreuve qui se joue en semi-rapide. 2 minutes par coup. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum pour ce premier coup à 48 points. Vous ferez attention à la solution choisie. Horizontalement, en H4, nous posons Calais.
K-A-L-E et le S sur la case centrale. Nous avons joué Calais, K-A-L-E-S. L'avant-dernière lettre est un E d'Égypte. Et ça fait 48 points. Un reliquat de deux lettres, Italie et Luxembourg. On ajoute. Luxembourg L, c'est le deuxième. Suisse S. Algérie A, deux fois. Uruguay U. Vous jouez avec Italie et Luxembourg deux fois. Suisse, Algérie deux fois et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 28 points. Verticalement en 4 H, en partant du K de Calais, nous descendons. Cali, K-A-L-I-S. Cali, K-A-L-I-S en 4 H. Ça fait 28 points. Reliquat de 3 lettres, Algérie, Luxembourg et Uruguay. On ajoute Roumanie R, Suisse S, Hongrie H et Jordanie J. Vous jouez avec Algérie, Luxembourg, Uruguay, Roumanie, Suisse, Hongrie et Jordanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante points. Horizontalement, en G7, en partant d'au-dessus du E de Calais, nous posons Jura. J-U-R-A-S. Le J forme je, J-E. Et le U forme US, US, avec le E et le S de Calais. Jura, J-U-R-A-S, n'oubliez pas le S final, c'est en G7. Et ça fait 40 points. Deux lettres au reliquat, Hongrie, Luxembourg. On ajoute Égypte E, Yougoslavie Y, Québec Q, Québec. Égypte E, c'est le deuxième. Norvège N. Vous jouez avec Hongrie, Luxembourg, Égypte deux fois, Yougoslavie, Québec et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-six points. Verticalement en 11B pour terminer sur le S de Jura, nous descendons Yen. H-Y-E-N-E et le S de Jura. Yen, H-Y-E-N-E-S en 11B, ça fait 36 points.
Reliquat de deux lettres, Luxembourg et Québec, que nous rejetons. Vous rejetez donc le L et le Q. Et voici Égypte E, Maroc M, Roumanie R, Portugal P, Océanie O, Wallonie W, Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Égypte deux fois, Maroc, Roumanie, Portugal, Océanie et Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-quatre points. Horizontalement en B9, en appui sur le H de Yen, nous posons effort. E, P, H de Yen, O, R, E. Effort, E-P-H-O-R-E, en B9. Ça fait 34 points. Au reliquat de lettres Maroc et Wallonie, on ajoute Portugal, P, Suisse, S, Algérie, A, Tunisie, T, Italie, I. Vous jouez avec Maroc, Wallonie, Portugal, Suisse, Algérie, Tunisie et Italie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 47 points. Horizontalement en A6, pour terminer au-dessus du E de effort, nous posons WAP. W, A, P, S. Le S formant SE, SE avec le E de effort. WAP, W-A-P-S en A6, ça fait 47 points. Trois lettres au reliquat, Italie, Maroc et Tunisie. On ajoute Roumanie R, Zambie Z, Uruguay U et Norvège N. Vous jouez avec Italie, Maroc, Tunisie, Roumanie, Zambie, Uruguay et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante et un points. Horizontalement en F10, en appui sur le deuxième E de yen, nous posons remise. R-E-M-I. Z. Le R formera RA avec le A de Jura. Attention à la place, c'est en F10. C'est pour former RA avec le A de Jura. Remise, R-E-M-I-Z. F10, 41 points.
trois lettres au reliquat, Norvège, Tunisie, Uruguay. On ajoute Norvège N, c'est le deuxième. Tunisie T, c'est le deuxième également. Océanie O. Et Italie I. Vous jouez avec Norvège deux fois, Tunisie deux fois, Uruguay, Océanie et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-six points. Faites très attention à la place. C'est horizontalement que nous jouons en K3. On appuie sur le I de Cali. Tintouin. T-I-N-T-O-U-I-N. Tintouin, T-I-N-T-O-U-I-N, en K3, ça fait 66 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Égypte E deux fois. Suisse S. Danemark D. Océanie O. Égypte E, c'est le troisième. Et Uruguay U. Vous jouez avec Égypte trois fois, Suisse, Danemark, Océanie et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente quatre points. Trente quatre points donc horizontalement en C11, en partant du Y de Yen et en collant sous les trois dernières lettres de effort, nous posons Yue, Y U E S. Verticalement on forme OU, O U, RE, R E et E E S avec le O, le R et le E de effort. Yue C11. Ça fait 34 points. Reliquat de 4 lettres, Danemark, Égypte 2 fois et Océanie. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur parce que là, dans la partie que j'ai téléchargée, on n'annonce pas le rejet. Donc non, c'est bon. Donc il y a un rejet. Donc on rejette les 4 lettres, Danemark, Égypte 2 fois et Océanie. Donc on rejette le D, les deux E et le O. Et voici un nouveau tirage. Roumanie, R. Grèce, G. Belgique, B. Algérie, A. Norvège, N. Joker, lettre blanche. Et Suisse, S. Vous jouez avec Roumanie, Grèce, Belgique, Algérie, Norvège, Joker et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
le coup est terminé. Soixante-quatorze points. Vous ferez attention à la lettre remplacée par le joker. Ce sera un E d'Égypte. Horizontalement, en C3, pour mettre le S au bout de ce SE, nous posons Graben. G-R-A-B. Joker E d'Égypte. N-S. Le S vient au bout de ce pour faire C-S-E-S. Graben, G-R-A-B-E-N-S, en C3. Ça fait 74 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Danemark D, Hongrie H, Égypte E, Xénophon X, Océanie O. Danemark D, c'est le deuxième. Roumanie R. Vous jouez avec Danemark deux fois, Hongrie, Égypte, Xénophon, Océanie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-deux points verticalement en 12A. Nous posons sur OU déjà en place. OU, H, O, U, X. Le X venant faire X avec le premier E de Yen. OU. H-O-U-X en 12A, ça fait 62 points. Cinq lettres reliquats, Danemark deux fois, Égypte, Océanie et Roumanie.
On ajoute France F et Luxembourg L. Vous jouez avec Danemark deux fois, Égypte, Océanie, Roumanie, France et Luxembourg. 2 minutes. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente et un points. Horizontalement en B5. En s'intercalant entre WAP et Graben, nous posons FER. F-E-R. Le F forme FA avec le A de Graben. Et le E forme web et le R, AR, ARE, avec les lettres de WAP et de Graben. FER, FER en B5. Ça vaut 31 points. Trois lettres, quatre lettres au reliquat, Danemark deux fois, Luxembourg et Océanie. On y ajoute Venezuela V, Maroc M et Égypte E. Vous jouez avec Danemark deux fois, Luxembourg, Océanie, Venezuela, Maroc et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente et un points. Horizontalement, en A12, en partant du H de OU, nous posons HOME. H-O-M-E. Le O forme EUR, O-R-E, et le M forme mes, M-E-S, avec les lettres déjà sur la grille. Home, H-O-M-E en A12. Ça fait 31 points. Quatre lettres au reliquat Danemark, deux fois Luxembourg, Venezuela. On les rejette toutes les quatre, donc les deux D, le L et le V. Et voici un nouveau tirage. Norvège, N. Italie, I. Égypte, E. Roumanie, R. Uruguay, U. Maroc, M. Égypte, E. C'est le deuxième. Vous jouez avec Norvège, Italie, Égypte deux fois, Roumanie, Uruguay et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-neuf points. Horizontalement en J9, attention à la solution choisie, au mot retenu. En partant au-dessus du I disponible de Tintouin, nous posons Meunier. M-E. U,
M-I-E-R. Le E, pardon, le M forme mi et le E forme en avec les deux dernières lettres de Tintouin. Meunier, M-E-U-N-I-E-R, en J9, ça fait 69 points. On a scrablé, aucune lettre au reliquat. Voici Égypte E, Océanie O, Égypte E deuxième, Canada C deux fois, Danemark D, Italie I. Vous jouez avec Égypte deux fois, Océanie, Canada deux fois, Danemark et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 33 points. Horizontalement en 15G, en appui sur le R de Meunier, nous descendons écorce. E, C, O, R, C, E. Écorce, E-C-O-R-C-E, en 15G. Ça fait 33 points. Deux lettres reliquats, Danemark et Italie. On ajoute Tunisie, T. Venezuela, V. Tunisie, T, c'est le deuxième. Algérie, A. Italie, I, deuxième. Vous jouez avec Danemark, Italie deux fois, Tunisie deux fois, Venezuela et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-huit points. Verticalement en 13 i. On appuie sur le I de Meunier, nous descendons Videz. V, I de Meunier, D, A, I, T. N'oubliez pas le T final. Videz, V, I, D, A, I, T en 13 I. Ça rapporte 28 points. Reliquat de deux lettres, Italie et Tunisie. On ajoute Italie I, c'est le deuxième. Algérie A. Québec Q, Québec. Italie I, ça fait, c'est le troisième, pardon. Et Danemark D. Vous jouez avec Italie trois fois, Tunisie, Algérie, Québec. Et Danemark, chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 19 points. Faites attention à la solution choisie au mot retenu verticalement en 10 D en collant à gauche de IN et en appui sur RA déjà en place. Nous descendons tirer T-I-R-A-I. Le T transforme X en TEX. Et le premier I forme IN avec le N de IEN. N'oubliez pas le I final. Et nous avons joué tiré, T-I-R-A-I. La deuxième lettre est un I d'Italie.
Reliquat de quatre lettres, Algérie, Danemark, Italie et Québec, auquel nous ajoutons Égypte E deux fois. Joker, lettre blanche. Vous jouez avec Algérie, Danemark, Italie, Québec, Égypte deux fois et Joker. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 56 points. Horizontalement en N9. Attention à la solution choisie, hein, c'est en N9. Sur le T de vidé, le joker est un U d'Uruguay. Nous posons équité. E, Q, Joker U d'Uruguay, I, T, E. Équité. E, Q, U, I, T, E. En N9, ça fait 56 points. Un reliquat de deux lettres, Algérie et Danemark. On ajoute Uruguay U, France F, Algérie A, c'est le deuxième, Égypte E et Belgique B. Vous jouez avec Algérie deux fois, Danemark, Uruguay, France, Égypte et Belgique. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-cinq points. Horizontalement en M12, en collant au-dessus des trois dernières lettres de équité, on appuie sur le I de vider et pour mettre un E au bout de écorce, nous posons bide. B. I, D, E. Le B forme bi avec le I d'équité. Le D forme 2 avec le E d'équité. Et le E de bi devient transformé écorce en écorcé et E. Bide. M, 12, 25 points. Quatre lettres reliquats, Algérie deux fois, France et Uruguay. On ajoute Tunisie, T, Océanie, O, et Uruguay, U, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie deux fois, France, Uruguay deux fois, Tunisie et Océanie, chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 28 points horizontalement en D3. Sous les trois premières lettres de Graben, nous posons OUF, O-U-F, verticalement, on forme GO, RU et FAF. OUF, O-U-F, en D3, ça fait 28 points.
Un reliquat de 4 lettres, Algérie 2 fois, Tunisie et Uruguay. On ajoute Luxembourg L, Venezuela V, Luxembourg L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie 2 fois, Tunisie, Uruguay, Luxembourg 2 fois et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le 26 points. Horizontalement en O5. Attention aux mots retenus. Pour terminer sous le E de équité, nous posons lava. L-A-V-A-T. Le T forme E-E-T avec le E de équité. Lava, L-A-V-A-T en O5, ça fait 26 points. Deux lettres au reliquat, Luxembourg et Uruguay. On complète avec Norvège N, Tunisie T, Danemark D, Océanie O et Luxembourg L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Uruguay, Norvège, Tunisie, Danemark et Océanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Seize points. Attention à la solution choisie horizontalement en L11 sur le A de Vidé. Nous posons l'OA, L-O-A, le O venant devant B pour faire OBI, OBI. L'OA, L-O-A en L11, ça fait 16 points. Cinq lettres reliquats, Danemark, Luxembourg, Norvège, Tunisie, Uruguay. Vous avez pris les deux dernières, à savoir Algérie A et Grèce G. Vous jouez avec Danemark, Luxembourg, Norvège, Tunisie, Uruguay, Algérie et Grèce. 2 minutes. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Sur ce coup, un top à 24 points, horizontalement, en I2, en appui sur le A de Cali. Et pour coller sous les lettres de Calais, nous posons Glana, G-L-A de Cali. N, A, et n'oubliez pas le T final. Verticalement, nous formons en A, N, la, L, A, et G, J, E, T avec les lettres déjà en place. Glana, G, L, A, N, A, T, en I2. Ça fait 24 points.
au reliquat à deux lettres, Danemark-Uruguay, c'est un tirage valide. Il y a au moins une consonne et au moins une voyelle. Et donc, vous avez 2 minutes. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le dernier coup, forcément, de cette cinquième partie de l'élite, de l'épreuve élite du championnat du monde 2022, des championnats du monde 2022. Dernier coup, donc, le top est à 12 points. Horizontalement en L7, nous posons Oud, UD, formant à la verticale OU, OU et Oud, UD avec le O et le U de Tintouin. Oud, UD en L7, ça fait 12 points. Ça termine la partie sur un top de 908 points et un nombre de coups joués qui est de 24. Voilà. On va passer tout de suite à son décodage express à cette cinquième partie là, des championnats du monde, Elite 2022. Et donc un décodage express hein, pour gagner du temps puisqu'il y a 7 parties en tout, sinon ça prend un temps considérable. Et donc on va juste, alors juste je vous explique, hein, d'habitude sur Duplicate Club le décodage est un peu plus et se fait en 3 étapes, ça dure une trentaine de minutes au total. En 3 étapes, la première étape, on passe en revue la partie pour voir les isotopes et les sous-topes principaux. C'est ce qu'on va faire là. Deuxième étape qu'on ne va pas faire ici, ce sont les définitions des mots peu courants de la partie que je fais défiler. Et troisième étape, il y a un écran, un affichage spécifique pour les potentialités des tirages. Là, je ne mettrai pas cet affichage, mais je vous dirai à l'oral, en restant sur l'écran actuel, là, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres, qu'on n'aura vu ni pendant la partie, enfin, qu'on n'aura pas vu pendant la partie, en fait. Voilà. Et d'habitude, également, il y a 2 petits bandeaux en bas qui défilent avec du texte, avec des mots à retenir. Et là, il n'y a pas. Donc si vous voulez voir des parties décodées complètement, vous allez sur la chaîne Duplicate Club, notamment les 4 du Blitz, là, des championnats du monde. Elles ont un décodage complet. Et puis toutes les parties inédites en semaine, hein, les parties Joker, les parties normales, etc. Elles ont un décodage complet d'une trentaine de minutes où vous pouvez apprendre plein de nouveaux mots. Et oui. Alors, premier coup de cette partie, on avait 2 solutions à 48, calées.
on peut aussi dire Cal, hein, puisque c'est un, il y a deux mots. Cali faisait 48 aussi, donc Laika 30, Laike ou Like 30. Ça ne doublait pas le cas. Kea Kill à 26, Lek aussi, Laika, Laike sans le S, Sake, Saki, Sky. Tout ça, skier, tout ça, ça faisait skia 26 points. Et puis en termes d'appui, je vous le dis oralement, il n'y avait rien en 8. Et en 9, on avait Lackerly, L-A-C-K-E-R-L-I-S. Alors, le tirage suivant. Pas de T pour Sotilla, pas de G pour Aguilla, pas de M pour Allumé, ni de O pour Alloué. Et donc, on s'est contenté de 28 points avec Cali en mot double. Sous top, Laïus, un joli collant à 25. Alias en I11 faisait 19, tout comme plusieurs autres solutions. Allé, Ala, Ola, Lila et Salé Aï. Tout ça, c'est en I1. Ici, Jura avec le J en pivot sur la case bleue, ça faisait 40. Moins 1 avec une lettre en moins, Jar ou Jura sans le S. Moins 2 avec deux lettres en moins, Jar, Ja et Ju. Et en 5E, on avait Raja avec le H en pivot. Le mot double, ça fait un petit score sympathique. Raja qui passait également à l'horizontale, mais pour moins puisque le mot ne doublait pas. En revanche, le J doublait quand même. Si je vous dis rien niveau potentialité des tirages, c'est qu'il n'y a rien à dire. Ici, donc, Yen, on a Yen en main, hein, plus LQ, on cherche les places. Bon, il y a Yen au pluriel qui passe ici à 36. Elé avec le H en pivot, 30 points, tout comme Ney, NEY en 5K. Et on a trois solutions à 28. EHE en F10. Lisez et E en 11E. Et de nouveau le même Ney, mais cette fois-ci en 3K. Alors, avec le Y, on a trois solutions à 34, moyer, EE, ER et myope. Et effort sans utiliser la lettre chère, enfin, c'est pas la lettre chère du tirage, mais c'est sans utiliser le Y. On a le P qui triple, c'est pour ça que ça fait des points, 34 points, donc le P qui triple et le mot qui double. Et sinon, après, on avait 26 points avec EWE en 3L, EWE. Ou bien EW2E en D11 ou D9, forcément. Alors, le coup suivant, WAP 47, moins 4 avec PILAW, P-I-L-A-W-S, le P qui triple, le W qui triple, sans le S, 42, même place, WALI 36, WAPITI en K1, ça fait 36 aussi, joli mot double, et sans le S, 34. Alors ici, minuteret, mutineret en potentialité en 9 lettres hein, sur 2 œufs. Rien de tout ça. Rémise, c'est une petite mésange en F10, ça fait 41. Le Z qui triple. Ruminé, minuté, muniré et mutiné en D6, ça fait 36. Lusin en 6H ou J4, 34. Tout comme toute une série de verbes là, hein, 5 lettres MZ. Miné, miré, etc., etc. Je les fais défiler. Trimé également. Bon, tous ceux qui sont en 5 lettres avec le M double, là, trimé, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça fait le même score, malgré une lettre de plus. Le tirage suivant, on avait Nutation sur un A et Tintouin sur le I qui passe. Tintouin passé également en 13E. Et c'était Scrabble unique, hein, pas d'autres Scrabble avec ce tirage, enfin en tout cas avec cette configuration de grille. En 9 lettres, quelques conjugaisons. Tintouin se met au pluriel. Intuition, nutrition. Unipotent. Anagramme de Toupine, ENT. Ok. Le coup suivant,
Pas de J pour déjouer, de N pour dénouer, ni de V pour dévouer. C'était les trois appuis en 8 lettres de ce tirage. Et donc, on se contente de 34 points avec Yue en utilisant une lettre chère de la grille et en collant un petit peu. En A12, au-dessus de Effort, 30 points avec Dose. En 11i, on met un S à Tintouin, on double dans les deux sens. Et là, on a plusieurs solutions à 30 également. Dosé, Sodé, adjectif, hein, Soude. En 5a, Soudé et E qui fait Swap, ça fait 30 aussi. Suédé. Bon, plusieurs solutions à 30. Suédé en 5a, pareil que Soudé. Et Suédé au masculin en 11k, pareil que les autres mots de 5 lettres ici. 30 points. Alors, on a deux Scrabble secs là qui passaient tous les deux. On appuie Bigorna sur le I, ça faisait 63 et c'était les trois seules possibilités de Scrabble, Grabon, Graben et Bigorna. Sous top 33 points, sans Scrabble, maximum à 33 points en 8G avec Bunia ou Ruban. Gasba en 11J faisait 32, tout comme Risban. Et donc en appui, on avait Bagnard, Brigand, Bongard, Bornage, Bugrane, Ebornia, Angerba, Gerban, Bugnera, Bringa, Barlon, B-A-R-L-O-N-G-S. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça, c'est des 7 et 8 lettres. Hein. Enfin, 8 lettres. Les deux 7 lettres passaient. Donc, on a joué Graben. Le tirage suivant. Pas de potentialité en 7-8 lettres. Par contre, en 9 lettres, hydroxyde sur 2 Y. Alors, il faudrait qu'il y ait un Y et un Y joker. C'est hautement improbable, mais c'est pas impossible. Hydroxyde, c'est superbe. Alors, le top, c'était où ? H-O-U-X, A-62. Allez, on change le H pour un D, 8 points de moins, 54. Allez, on change le D pour un R, 4 points de moins, 50. Donc avec doux et roux. Ex qui fait web et axe ici en s'intercalant, ça fait 40. Et Auxerre en J8, 32. Le coup d'après. Alors fer hein, qui fait web et ar et fa, 31. En 8J, on a furol en triple à 30. Floé en D1 fait 29. Et à 27 points, on a une petite flopée de solutions. Del, Der, en B5, Oudler en 8J, Folder en L9 et Ode en B4. Le tirage suivant, le coup suivant, le tirage ne donne rien, ni en 7, ni en 8, ni en 9. En A12, le top Homme, H-O-M-E, qui colle, qui fait 31, c'est joli. Sous top, 10 points de moins avec V, V-E, même endroit. Démo en J7 et Dôme, même place, ça fait 20 points. Alors ici, on a 3 Scrabble qui passent, dont un qui perd 1 point sur les deux qui sont au top. Meunier mineur à 69 et Ruminé à 68. Et en appui, qu'est-ce qu'on a ? Sur un A, énuméré, uniramé, adjectif, en bruine, sur un B, des mineurs muré ni D, sur un D, meunerie meunière, meringue, sur un G, lémurien, sur un L, prémuni, sur un P, et puis, outre les pluriels des trois mots de cette lettre, avec un S, on a menuisé, numérisé, réunime, et sumérien. Un superbe tirage qui malheureusement ne donne rien. Pardon, en 7 lettres, on avait écocide sur un D codécidé, sur un N décoincé et sur un S écocide au pluriel. Rien de tout cela ne passait. Écorce, c'était le top à 33 points. Sous top, cité et E du verbe en 3I, ça faisait 31. Cerce en 15H, concède en 12H, 30. Tout comme toujours en 15H, cordé et E. Et en 15G, décrié. Le tirage suivant ne donne rien en potentialité. Et sur la grille, on a 28 points avec vidé, aïté. Alors évidemment, une lettre en moins, on tombe à 26. Vidé ou vida.
Vinet également 26. AIT, une lettre en moins, on perd 2 points, 24. Et Invita en 12i faisait 22. Invita AT. Le coup suivant, le tirage ne donne rien en 7, rien en 8. Et en 9 lettres, on a liquidé ou indiqué sur un U. Et puis, soit un L, soit un N. Deux solutions à 19 points, taré ou tiré. Comme on a beaucoup de I, on en a joué un. Sous top à moins 1 avec Fadé ou Fada en 5B. Tara Tira faisait 18 aussi. Alors le tirage suivant, abdiquer sur un... Alors forcément sur un Joker U on va dire. Et donc abdiquer sur un B, déféquer sur un F, Déliac sur un L, éradiquer sur un R. Ça ne passe pas. Un top à 56 points avec deux solutions, équité et quêté. On a retenu équité pour pouvoir jouer ici. Hein. Remarquez, avec le Q, ça passait aussi. Hein. QI, bon, plus de possibilités avec le E. Et puis, de toute façon, on s'approche de la fin de la partie, donc c'est plus évident de prendre les décisions étayées à ce moment-là. Keta et Quête bah, font 2 points de moins, c'est logique. Et écorcerait, puisque c'est un verbe, faisait 36. Le tirage suivant, le coup ne donne rien en 7, rien en 8, rien en 9. Un top assez joli, Bid, là, qui vient faire écorcer et E, un peu caché. En 12L, à la verticale, une B, B, A, I, E, qui rapporte 24 points. Et en M12, même place que Bid, on remplace le B par un A. Et on perd quelques points, 21 au lieu de 25. Le coup suivant. En 7 lettres et en 8 lettres, on n'a rien. Ça ressemble un peu à autofocus, mais c'est pas tout à fait ça. Ouf, en D3, c'est le top, formant FAF. Même place, fou FOUT fait 26. Foutu en O5 fait... Pardon, ou fou FOUT, ça faisait 27. Foutu en O5, ça fait 26. AFAT en O6, 23. Tout comme faux, fou, tofu. Voilà. Rien, aucune potentialité que ce tirage. Deux solutions à 26, Lava et Valu UT. Lava AT peut associer en 2D pour 23 points. Valu, Vatu et Vaux en O6, ça fait 23. Loa égalé par UT. Bon, c'est la fin de la partie. Oud, 15, Genou et Tondu, 14 en 7G, 3K. Ici, pas de E pour dégluant, délégant, délogant en 9 lettres également. Un joli top, Glana qui colle sur quelques lettres. 24, sous top, Ta à 17. Vous voyez où ça s'affiche. Et enfin, le dernier coup, sans grand intérêt, 12 points, sous top à 8 avec Duc en 4-13. Et voilà, donc on en a terminé. Ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous n'avez pas trop mal joué si vous comparez vos résultats avec ceux officiels hein, des joueurs présents sur place. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, à en parler autour de vous. Hein. C'est important, la chaîne, pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce genre de parties à rejouer dans les conditions proches du réel. Eh bien... on a besoin d'abonnés supplémentaires, voilà, donc on compte sur vous. Et donc là, c'était la partie 5, et je vais maintenant enregistrer la partie numéro 6. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.